et aussi le site web. Mais ce que j'avais aussi à dire, c'est que si jamais ils ont des questions, ils peuvent aussi te les laisser, Duvalier. Je pense que tu es, je pense, Bon, si. la meilleure personne. Je pense que tu es meilleur Quand tu orateur dis que comme ça, alors moi. les gens là vont te poser, vont dire, Duvalier, tu sais que j'avais mon billet. Je vais envoyer vos Je ne suis questions. pas un aussi bon Il n'y a pas orateur de que toi, problème. donc ce serait, ils peuvent te laisser des questions et je répondrai avec plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci, il va répondre à toutes vos questions alors que moi je m'en vais rapidement faire plaisir à une. C'est bien sûr Yellow Diamond qui a demandé la belle chanson Un ancien succès parce qu'on va faire un petit retour à l'arrière avec Daisy Champion, la femme vertueuse. Et je crois que ça c'est une chanson que j'affectionne tellement parce que je la maîtrise par cœur. Tu maîtrises la chanson ou la femme vertueuse? C'est une excellente question. La question est complexe. Oh, my God.
cette chanson « Femme vertueuse » que je dédie à toutes les femmes vertueuses. Ça, commençons par là, parce que je sais combien elles sont toutes vertueuses, surtout, surtout. Alexia. Ah, merci. Ah, voilà. Elle dit, il va connaître le nom de qui, il va donner le nom de qui. Mais non, tu sais que tu es ma meilleure protection dans Alexia. Donc, elle dit que c'est Alexia comme ça, elle sait qu'elle peut me couvrir même un peu. Donc... on ne va pas trop me poser des questions parce qu'on va dire que Alexia, c'est... Non, si elle donne un nom, maintenant, elle va dire que... Ah, donc c'est elle. Mais si tu dis Alex, ouais, on va me chercher des problèmes. On va commencer à fouiller tous les comptes de Facebook. Maman dit, on va écrire pour dire, non, c'est toi. Oh, tu es le reste de lui. Oh là là. Tu... Donc, quand il dit Alex, il y a tout le monde, on va dire, oh, non, ça va, il nous embrouille. Il veut marcher dans notre cerveau. Hey, complication. C'est plus facile, attends, non attends, c'est plus facile. On peut gérer ça. Voilà. Oh, allez. Et rapidement, on a... je suis désolé pour ces personnes qui nous ont envoyé des messages parce qu'il y a une conversation qui se faisait entre Eric Ndjanga et vous. Moi, je n'étais pas au courant parce que je ne sais pas ce qui s'est passé sur ma main. J'ai levé le curseur un peu plus haut, ce qui fait que tous les messages qui venaient plus bas, je ne les voyais pas. Je vous demande pardon, désolé. Je vais lire. Bonsoir, Aïssatou, Gabriel, DJ. J'espère que tu vas super bien. Tu dis que tu n'étais pas là, c'est pour ça que le micro ne passait pas bien, non. Maintenant, tu es là, donc tout va bien, non. Voilà, je suis avec toi. Valère Mbassa. Yo, frangin, j'espère que tu te portes bien. Surtout, évite coronavirus. On a toujours besoin de toi, mon frère. Quand tu vois ça là, non, je boxe ça. Je fais l'enchaînement. Je... J'attrape ça et je dis mouf. Bonsoir comme ça particulier à Sheila, Fofo, qui nous suit depuis Brampton. Sheila nous suit. C'est Mississauga. Oui. Mississauga. Hey, attends, je te dis, Sheila, voilà. Sheila m'a dit, tu vas dire, j'aime pas venir à ton émission, parce que quand je passe à ton émission, tu commences à dire, oh Sheila, oh Sheila. Oui, je vais dire Sheila. Bon, Sheila, c'est une... Non, c'est mon ami. Sheila, c'est mon ami. Non, Sheila, il te promet, il n'a rien dit. Hein? Je te demande, il n'a rien dit. Demande la complication. J'ai dit quelque chose de complication. Non, tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis le premier témoin. Voilà. Donc, avec demande à ton ami inbox. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il a reçu ton message. Inbox, tu as reçu ton message. Oui. Cameroun Olympiade. Ok. Cameroun Olympiade, je le game en public. Non. Ok. Erin Janda, je vais sauf que te contacter. Ok. C'est déjà fait. Bonsoir, monsieur Moncam. Bonsoir, madame. Bon, ok, madame, quelque chose. TNG Ndjapi. TNG Ndjapi, parce que ma bouche a fait glisser. Si j'avais dit que madame. Cameroun Olympiade, très marrant. Non, je ne suis pas aussi célèbre que Eric Djemba. Un bon Fali, je danse avec Alexia. Qui a dit ça? Victor Kameni. Victor Kameni. Depuis l'Alberta. Complications avec les JS. Est-ce que toi-même, tu es petit, modèle, bro? Ali Beb, bébé, désolé, je ne savais même pas qu'on ne m'entendait pas. Non, on t'entendait, mais à voix un peu plus bas. Tagui Dieu, Syl, désolé, je suis nul en matière de radio. Oh non, comment tu peux dire ça? Moi, je commente cette chanson pour mon épouse. Mm-hmm. D'accord. Cameroun Olympia ou bien sûr mon numéro business. Ok, d'accord, c'est fait. C'est ça, Manyang. Uh-huh. Je veux pour mon épouse Style Dim dans la chanson Madinwa. Madinwa. Attends, on va revenir à ça. Mesure. Toi, à quelqu'un de ton calibre comme moi, non? Oh, Ferré, bonjour. Quand tu me demandes même mesurer à quel de mon calibre, je commence à dire non. Peut-être encore Eric Ndjanga, parce que lui, au moins, il ne danse pas, il reconnaît. Parce que toi, tu ne danses pas, mais tu ne reconnais pas. C'est là où ça fait mal. Parce que quand tu commences à dire, je sais danser et tout, je dis, ok, danse chez toi. Moi, je danse devant tout le monde. Après, ça, c'est ton épouse qui m'envoie la vidéo pour dire, mon frère, tu as tué, tu l'as gagné, il est à la maison ici, même les enfants l'aident, ça ne donne pas. Donc c'est là que tu comprends que mon talent est trop, trop fort. Allez, voilà la colombe du micro du Valais, mon camp, j'ai augmenté l'effectif comme d'habitude. Tu connais, non? Tu connais, non? Tu ignores quoi? Tu connais, non? Voilà. Reçu boss, bonsoir Duvalier. Enis Dedengania depuis les États-Unis, bonsoir à toi. Beaucoup d'applaudissements pour Eric Ndjanga pour sa franchise. Hein, c'est une franchise? Bon, ok. Franchise veut dire que c'est une des. Bon, ok, ça va. Je vais pas. Il va encore dire que non, tu as la parole, tu connais parler, tu as. J'attends toujours ma commande. Tu nous commandes. Je commande unité de petit Mozart. Petit, Mozart, c'est le prénom de mon père. Mozart, hey, comme Mozart. Mozart. Mais non, on va voir. Merci à toi, Yellow Diamond. Il n'y a pas de quoi. Dominique Gassa, bonsoir, Yellow Diamond. Je pense que tu parles de complications et moi, désolé. Ce genre de live, de partage pendant qu'on suit. Merci beaucoup, mon ami. Très gentil pour avoir fait passer ma chanson. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir. Ouais, Desi Champion décédé le 30 avril 2018. C'était l'un des artistes préférés. Ça me fait toujours mal au cœur. Pleurons ensemble.
Mais non, parfois il faut pleurer. Ça fait plaisir. Mais maintenant, ce qui est balade, c'est que tu peux pleurer. Maintenant, ici, après, tu fais. On dit, hey, il a sorti. Celui qui a, il a quelque chose dans la gueule. Pour le sortir. Donc, tu peux vouloir pleurer. Après, tu fais. Après, il a la grippe. Il a le. Qu'est-ce qu'il. Il a le rhume. Ah non, il faut qu'on se questionne pour ça. Alors, c'est Loévan. Pourquoi tu as des gants? Ah, Loévan. Non, c'est que tu sais, je suis un ancien boxeur. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a des choses qui se passent dehors, partout. Je me prépare. À boxer, le coco, hein? Non, c'est juste une question de prévention, tu vois. Parce qu'on est appelé à toucher les claviers et je peux pas me mettre à mettre de l'alcool partout sur les claviers, tu vois. J'ai tout un tas de boutons là, il y a toute une panoplie de personnes qui entrent en studio pour faire des émissions, vous voyez. Donc au moins, la mousse, on peut la changer là et tout. Mais là, il y a beaucoup de boutons là. Il y a des gens qui entrent avant moi en studio, il y a des gens qui vont entrer après moi. Donc j'évite que, vous voyez, c'est question de précaution vu la circonstance qui prévaut, hein, Loévan. Voilà. Comment, champion, vous êtes même situé où à Toronto? Justement, voilà la bonne question. Si tu arrives à Toronto, je t'explique. Tu vois la route qui monte. Il y a une route qui va tout droit. Quand tu arrives à Toronto, tu vas tout droit. Qui traverse la mer des beignets. Tu traverses. Il y a une maman qui veut les beignets là-dedans. Tu arrives derrière le Gouravier. C'est voilà. Que tu es arrivé. Il y a un Gouravier là. Tu arrives derrière le Gouravier. Tu vas voir là, on a écrit. Attention, chien méchant. Non, nous sommes situés au 330 Lansdowne Avenue. C'est en plein cœur de Toronto. Nous sommes à quelques encablures seulement du métro Lansdowne. S'il vous arrive de marcher à pied comme moi, arrêtez-vous au métro Lansdowne et allez à pied comme moi. Et maintenant, en rentrant, si vous arrivez de vouloir demander un lift, allez, faites comme moi. Dites à Eric de vous déposer parce qu'il est gentil ou en complication. Ils vont se faire le plaisir. S'ils ne me déposent pas la prochaine fois, les invite pas, non. Dans tous les cas, donne-moi juste l'intersection, je maîtrise toute la ville. Ah d'accord, j'ai déjà dit. C'est Bloor and Lansdowne. Bloor and Lansdowne, où? Lansdowne and College. C'est College ici, non? Oui, c'est College. C'est College. Dundas ou College? Non, Dundas c'est après. Oh, c'est d'abord College, après college. C'est Dundas. Voilà, à toi de voir. L'un des deux, sur ma droite, à moi, à partir de maintenant, la position que j'ai en ce studio, il y a Bloor et Lansdowne, où? Lansdowne et... College. C'est Collège ou Spadana? Collège. Collège. Okay. Spadana, c'est loin là-bas. C'est de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est l'une des deux intersections. Donc, Bloor en Lansdowne ou Lansdowne en Collège. Voilà. Et non loin de Lansdowne en Dundas, tout. Donc, c'est côte à côte, en tout cas. Nous y sommes en tous les cas. Allez, tout de suite, je vais faire plaisir à Kameni parce que je sais qu'en studio ici, si je ne joue pas tout le Collège français, tu as tout deviné. Tu connais, tu sais où c'est. Nous sommes au troisième niveau. Si tu arrives ici, on vient nous dire bonjour. Mais garde-nous, hein. Il faut nous garder parce que tu vois ça. Non, ça va, faut pas. Moi, je bois juste fraîche vanille, medium. Je ne veux pas la grosse boîte. Ça, ne prends pas le seau là-bas à Timothée. Juste medium, ça va aller. Il est rapide, hein. Je même pas, c'est même pas lui qui a demandé ce qu'il boit. Lui, il a dit qu'il boit le café. En tout cas, on est au collège français. Donc, en fait, si tu appelles le French vanille, c'est toujours français, non? La vanille française. C'est toujours donc, français, vanille française. C'est pareil. C'est allez, Nkameni, voici pour toi Fali que tu veux danser avec Alexia. Alexia va danser dans ce studio. Tu vas ressentir ça en toi, déjà. Appétit, hein? Tu vas digérer à distance. C'est ça l'avantage. Elle est ici. Donc, la réalité, là, elle est prête, hein? Là. Faut bien que tu la réalité, c'est nous. Et tu es en train d'aller dans les côtés de son pays, du coup. L'expertise y est. Elle est. Ah. Et dans tout ça, ces ans, c'est sans entraînement. Sans entraînement en plus. Non, si elle s'est entraînée, bon. Linda caminita, bolinda, tá aqui. Tu chega aqui, arco, mano.
gens pour entendre ce que je te dis. Voilà. J'ai la ruine. Chanson de Fally Ipupa qui a permis à Victor Kameni de se coller à la télé, à la maison. Oh, appétit Victor, ne t'en fais pas. Un jour, tu y arriveras. Oui, je te promets, je suis sûr de moi qu'un jour, tu parviendras à arriver à Toronto, arriver dans ce studio, danser devant moi. Je précise devant moi parce que si je commence à dire que je ne serai pas là quand vous allez danser, c'est accepter moi-même de soumettre quelqu'un à la tentation et c'est dangereux. Non, je préfère être là quand tout va se passer. Là, je regarde, je surveille. Je crois qu'Alexa est en train d'inviter Erin Dianga à partager le son. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On n'avait pas vu ça depuis. On n'avait pas vu ça depuis. Mais non, non, Eric est timide. Il est timide. Celui qui a dit, tu peux m'accompagner danser. Il a dit, ah, je suis désolé, je ne connais pas danser. Ah, je cotise pour la dot. Mm-hmm. Uh-huh. Voilà, il faut cotiser. Uh-huh. Je sens que je suis en haut bientôt. Allez, Eric, rapidement, 30 secondes, qu'est-ce qu'on dit pour nos internautes qui vont certainement garder un très bon souvenir de ton passage sur la radio aujourd'hui, parce qu'il faut bien qu'on parle avec...